voici sur l'un des plus grands fleuves d'Afrique, le Niger. Long de 4184 km, il traverse toute l'Afrique de l'Ouest, véritable source de vie pour des millions d'hommes. Suite aux fortes pluies de juillet et d'août, le niveau du Niger a nettement monté. Cette embarcation typique du Mali est une pinasse. Elle remonte le fleuve au milieu de paysages inondés. Les passagers sont installés dans la coque du bateau. Pour beaucoup, la pinasse est le moyen le plus simple et le plus confortable d'aller de ville en ville. Tout autour d'eux, une cargaison précieuse les accompagne. Ces plaques de sel ont mis plusieurs semaines pour traverser le désert du Sahara à dos de chameau. Le voyage n'est pas sans risque. Des bancs de sable peuvent surgir à tout moment. Bassekou Tikambo est le propriétaire de l'Air Bouctou. Peu de gens maîtrisent comme lui l'art de naviguer sur le Niger. Être pinassier, ça se transmet de génération en génération. Mon père l'a été, mon grand-père aussi. Et maintenant, c'est à mon tour. On ne peut pas se lever un matin et dire « je suis un pinassier ». On ne peut pas se lever en plein midi et dire « je suis un pinassier ». On ne peut pas devenir pinassier sans avoir hérité de son père. C'est ce qui fait un bon pinassier. L'Air Bouctou rentre à Mopti, son port d'attache. Les différentes pinasses s'y disputent les meilleures places. Bassekou et son bateau sont attendus. La précieuse cargaison doit être déchargée au plus vite. Le pinassier est à la fois le capitaine et l'armateur de l'embarcation. Un bateau qui mouille dans un port coûte de l'argent. Pour en gagner, il doit transporter en permanence le plus de passagers et de marchandises possible. Mopti se trouve au cœur de l'Afrique de l'Ouest, au centre du Mali, république aux frontières rectilignes héritées de la colonisation française. En été, après la saison des pluies, le Niger et son affluent, le Bani, transforment cette région aride, à la lisière de la zone sahélienne, en île verdoyante. Touareg, Bozo, Peul et bien d'autres tribus cohabitent paisiblement dans la Venise du Mali. Mopti est à la fois un port, un marché et un carrefour commercial pour toutes sortes de marchandises. C'est ici que se croisent les routes en direction du nord et du sud. Le port est aussi le rendez-vous des bateleurs, diseurs de bonne aventure et autres magiciens. Un guérisseur vend des remèdes miracles pour éviter les morsures de scorpions et de serpents. Il les teste sur lui-même pour convaincre les badauds. Bassekou veille à ce que sa pinasse reste le moins longtemps possible au port. Mais avant de pouvoir embarquer sa nouvelle cargaison, les plaques de sel seront déchargées par une armée de journaliers. Ces plaques ont encore un long voyage devant elles, en direction du Ghana, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Le transport du sel rapporte gros aux pinassiers. Mais il est très délicat. Au moindre dommage, ces plaques de 40 kg ne valent plus grand-chose. Faites attention au sel. Il ne faut pas que ça casse. Tu sais bien que le sel, ça casse. Le propriétaire va nous faire payer l'addition, alors doucement.
Tu as intérêt à faire doucement avec le sel. L'air Bouctou est une des trois pinasses qui convoient régulièrement les plaques de sel de Tombouctou jusqu'à Mopti. Ces bateaux transportent absolument tout ce que l'on peut imaginer. Ils sont remplis jusqu'au moindre recoin de sacs de millet, de riz, d'oranges, d'engrais, de ciment, de caisses et de matelas. Après la saison des pluies, l'air Bouctou navigue jour et nuit. C'est entre octobre et décembre que l'embarcation rapporte le plus d'argent. Les mois suivants marquent la décrue jusqu'à ce que le Niger ne soit plus qu'un filet d'eau. La circulation est alors nettement plus lente et les pinasses finissent par cesser toute activité. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette pirogue ? Relève l'ancre. Et celle-là aussi. Qu'elle s'en aille. Lorsqu'il n'y a plus de place dans la coque, on empile la marchandise sur le toit de la pinasse. Ici, le transport se paie à l'unité, indépendamment du poids du bagage. Pour une moto comme pour une chèvre, le prix est le même. 2500 francs CFA, l'équivalent de 4 euros. Mais bien sûr, le marchandage est de mise. Je n'en aurai jamais assez de ce travail. C'est mon travail. J'essaye toujours de faire plus, de m'investir davantage. J'ai commencé en 1998. Je l'ai même écrit sur ma pinasse. J'ai repris le travail de mon père, les clients de mon père et ceux d'avant lui. Et les affaires marchent de mieux en mieux. J'aime mon travail. Chaque jour, j'ai plus de plaisir à continuer. Tous ceux qui travaillent ici le font avec plaisir. Il y a une bonne ambiance. Jamais je ne m'en lasserai. Le chantier naval de Mopti se trouve juste en face du port. Les pinasses traditionnelles y sont fabriquées entièrement à la main. La coque est en caille cédra, une variété de cèdre au bois à la fois tendre et robuste. Les ouvriers du chantier naval forgent eux-mêmes les clous et les attaches métalliques. Cette construction rudimentaire n'assure pas l'étanchéité des bateaux. Souvent, une simple brèche dans la coque les fait couler. Bassekou profite de cette pause forcée pour faire un crochet par le chantier naval. Comme les affaires marchent bien, il va s'offrir une pinasse plus grande encore pour transporter jusqu'à 100 tonnes de marchandises. Il en a dessiné les plans lui-même et discute ici des modifications avec le contremaître. Bassekou doit connaître son bateau comme s'il l'avait fait lui-même, pour pouvoir le manœuvrer au mieux dans les situations imprévues. Dès que la marchandise est chargée, les passagers peuvent monter à bord. Le placement est libre, mais le choix est assez limité. Ils s'installent le plus confortablement possible entre les sacs, cartons, boîtes et paniers. Les femmes et les enfants occupent l'arrière, côté moteur, et les hommes, l'avant. Jusqu'au départ, des commerçantes assaillent la pinasse pour vendre encore quelques casse-croûtes et boissons fraîches aux passagers. Aïcha, la femme de Bassekou, arrive parmi les derniers. Elle travaille à bord comme cuisinière. La pinasse est une entreprise familiale. Les 11 membres de l'équipage sont quasiment tous parents. C'est bien long aujourd'hui. Ça n'avance pas. Bon, allez, on va essayer de presser le mouvement parce que le vent se lève. Il faut partir à l'heure. Ça ne va pas. J'ai dit d'enlever l'ancre. À la toute dernière minute, les congélateurs arrivent enfin. L'équipage de l'air Bouctou ne peut pas partir sans eux. Comme il n'y a pas d'électricité le long du Niger, c'est la pinasse qui livre la glace
pour la conservation des aliments et des poissons. Par ces températures qui montent jusqu'à 40 degrés à l'ombre, ce n'est pas un luxe. Pour garder la glace plus longtemps, on l'emballe dans des sachets plastiques. Rudimentaires, mais efficaces. Bassekou chasse les marchandes qui s'accrochent à son bateau jusqu'à la dernière minute. La pinasse peut enfin s'élancer sur le Niger et entamer sa route vers le nord, vers le désert. Le vent se lève. C'est le pire ennemi de la pinasse. S'il devient trop violent, des vagues risquent de passer par-dessus bord. L'air Bouctou devra alors s'arrêter. Au départ, le Niger chemine à travers des terres fertiles. Puis il se ramifie très vite en de nombreux bras. Bien que très large, il est souvent très peu profond. Plus au nord, dans la zone sahélienne, au bord du désert, la savane domine. Il reste 400 km à parcourir jusqu'à notre destination, Tombouctou, la porte du Sahara. Le voyage de Mopti à Tombouctou dure 3 jours et 2 nuits, si tout va bien. Mais les passagers ne font pas tous la totalité du trajet. Le bateau s'arrête dans différentes villes des bords du Niger. Comme la plupart des membres de son équipage, Bassekou appartient à la tribu Bozo. D'après la légende, les Bozo sont d'anciens poissons qui ont quitté la mer. Devenus hommes, ils ont renoncé à leur maison pour retourner dans l'eau. L'eau a une âme. L'eau vit. Si tu mets l'oreille sur l'eau, tu peux l'entendre respirer. Parce que l'eau respire. Mais il faut être un bozo pour entendre ça. Le vent est de plus en plus fort. La poussière de la rive tournoie jusque dans la pinasse. Pour ne pas mouiller le bois de chauffage, on le stocke sur le toit du bateau. Il est rare et cher. À l'intérieur de la pinasse, Aïcha prépare le dîner. Les repas ne sont pas compris dans le prix du billet. Pour manger, il faut s'être signalé auparavant. Aïcha cuisine au milieu du bateau, à même le plancher de la pinasse, entre la partie réservée aux femmes et celle réservée aux hommes. Le menu est sans surprise. Matin, midi et soir, Aïcha prépare son fameux riz au gras. Seules les différentes sauces utilisées pour la cuisson apportent de la variété. Si le riz est trop chaud, Aïcha le refroidit à l'eau du Niger, qu'elle puise directement au fond du bateau. L'eau s'infiltre sans cesse par les fentes du bordage. Comme la pinasse navigue en permanence, le colmatage des brèches n'est que provisoire. Ici un torchon, là un vieux vêtement. Ce trou est loin d'être le seul. L'eau entre de tous les côtés. L'équipage de l'Air Bouctou lutte constamment contre le naufrage. Un homme écope en continu l'eau qui s'accumule au fond de la coque. Toutes les 8 heures, un autre prend la relève. Jour et nuit, saut après saut. En cuisinant pour les passagers, Aïcha gagne sa vie. Elle tient à cette indépendance. Les enfants qui ont fait des études deviennent des gens bien. C'est important que mes enfants aillent à l'école. Ensuite, ils pourront trouver un travail ou reprendre le travail de la pinasse. Ce qui me plairait, c'est d'ouvrir une boutique de coiffure. Mon mari et mes enfants en profiteraient aussi.
C'est bien qu'une femme travaille. L'homme ne peut pas prendre en charge toutes les dépenses. Si je suis invitée à un baptême ou à un mariage, je peux régler mes dépenses toute seule, sans avoir à demander à mon mari. Pour ceux qui ont besoin de faire des emplettes en route, il y a toujours un marchand ambulant à bord. Sucre, thé ou médicaments, on trouve de tout ici. La conversation, heureusement, est gratuite. C'est un moyen comme un autre de faire passer le temps. Pour préparer leur thé, les hommes se servent aussi de l'eau du Niger. Il est souvent difficile de se comprendre tant les langues parlées au Mali sont nombreuses. Mais pour boire le thé ensemble, pas besoin de traducteur. Un griot chante les bienfaits du Niger. Ces musiciens-poètes transmettent oralement le savoir de leurs ancêtres. La moitié de l'Afrique de l'Ouest vit encore au rythme des crues et des décrues du grand fleuve, comme on l'appelle ici. C'est l'heure de la prière du soir. Ceux qui ne trouvent pas de place à l'intérieur du bateau montent sur le toit pour pouvoir prier en direction de la Mecque. La majorité des Maliens sont musulmans et environ 10% sont animistes. Les passagers de l'Air Bouctou espèrent avant tout arriver sains et saufs à destination. Sekou goûte toujours la cuisine de sa femme avant qu'elle ne serve les passagers. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est assez salé. Mets de la sauce. Dépêche-toi, on est en retard. Test de dégustation réussi, les passagers vont pouvoir passer à table. Bassekou en est convaincu. Pour que les clients reviennent, le service doit être irréprochable. Car le marché des transports sur le Niger est sans merci. Et les nouvelles vont vite quand la nourriture est mauvaise ou la pinasse peu ponctuelle. Un aller simple Mopti Tombouctou coûte 10 000 francs CFA, l'équivalent de 15 euros environ. Pour beaucoup, c'est le quart d'un salaire mensuel. Bassekou espère que la nuit ne sera pas trop agitée. Il n'a pas de système de navigation ni de feu lumineux pour lui indiquer le chemin. Les passagers ne peuvent se fier qu'à son expérience et à son instinct. D'ailleurs, beaucoup ne dorment que d'un œil.
Petit matin, le bateau s'approche du lac Debo. De la taille d'un océan, il se trouve dans le delta central du Niger. Bassekou et ses barreurs connaissent les risques du lac, ses courants et ses eaux peu profondes. Celui qui ne tient pas le cap sur cette mer intérieure est vite perdu. Même si le Niger est en crue actuellement, son niveau change d'un voyage à l'autre. Les barreurs doivent rester vigilants et adapter la trajectoire du bateau. Le mieux, c'est de prendre par là. Oui, mais je ne suis pas tranquille. Je n'aime pas être là. Je suis pressé de quitter le lac. Si Dieu le veut, on arrivera sain et sauf. Mais dépêchons-nous de quitter ce lac. On a plus de 100 personnes sur la pinasse et je suis responsable. On transporte beaucoup de choses, du mil, du beurre de karité, des engrais, du ciment. J'ai besoin d'avoir une bonne visibilité. Je prie Dieu pour avoir du beau temps. Allume l'autre moteur pour qu'on sorte vite de là. Ce temps ne me plaît pas. Bassekou ne se fie pas aux prévisions météo. Et quel que soit le temps, il doit conduire ses passagers et sa cargaison à bon port. Quand il y a du vent, on ne peut rien faire. Le pire, c'est le vent. On a toujours des mécaniciens à bord. Si le moteur a des problèmes, il le répare et tu repars. S'il n'y a pas de vent et que le moteur tourne bien, on est à l'heure. Un moteur, ça se répare toujours, mais contre le vent, on ne peut rien faire. Pour le moment, les deux moteurs diesel fonctionnent. Les responsabilités des mécaniciens sont telles que Bassekou a confié ce poste à ses deux jeunes frères. Les mécaniciens sont forcément des membres de la famille. Bassekou lui-même a commencé auprès des machines. Lorsqu'il cessera son activité, c'est un de ses frères qui prendra la relève. Pour l'heure, le pinassier s'enquiert du bien-être de ses passagers. S'ils ont bien dormi, si le repas leur a plu, s'il leur manque quelque chose. Il veut à tout prix leur éviter d'imaginer que la pinasse pourrait être en péril avec ce vent violent. Beaucoup ne savent pas nager et lui font toute confiance puisqu'il appartient au peuple des Bozo, les maîtres du fleuve. Le retard de la pinasse, on n'y peut rien. C'est la volonté de Dieu. Les voyageurs n'ont qu'à réfléchir. Ce n'est pas la faute du pinassier, ce n'est la faute de personne, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous garde. Cela fait 7 ans que Chaka Damibi fait la navette entre Mopti et Tombouctou sur l'Herbouctou. Il fait quasiment partie de la famille. Chaka Damibi est commerçant. Il achète des fruits à Mopti, des oranges et pastèques essentiellement, et les revend à Tombouctou où les fruits sont des denrées rares. Bien des marchands passent leur vie sur le fleuve comme lui, à transporter leurs marchandises de ville en ville. Je me promène partout dans la pinasse. Je vais voir les mécaniciens, le chauffeur. Je m'amuse. Parfois, je monte sur le toit et je regarde le fleuve. Je préfère prendre le bateau. C'est comme si j'étais dans un petit village. Je vais voir tout le monde. Quelques passagers rassemblent leurs bagages. De nombreuses localités s'étendent le long du Niger. L'Herbouctou ne s'arrête que dans les grands villages ou les petites villes. Fatoumata Touré arrive enfin chez elle. Elle était partie faire des achats à Mopti. Pour elle, la pinasse est un moyen de transport incontournable. Je préfère voyager en pinasse. Je sais où mettre mes bagages. Je peux me mettre à l'aise. Il y a de la place, je peux bouger. J'ai mon petit coin à moi. En voiture, on est très serré. La pinasse est plus confortable.
Je suis née sur une pirogue, c'est ce que je connais le mieux. Et puis aucune route ne va jusqu'à mon village. Pour bien des villages, la pinasse est le seul lien avec le monde extérieur. Son arrivée ramène la vie dans les hameaux endormis. C'est un événement qui s'accompagne du retour d'un parent ou de la visite d'amis. L'Herbouctou leur apporte ce qu'ils attendent depuis des jours, des semaines, parfois même des mois. Bassekou est pressé de voir descendre les passagers car le bateau a du retard. Par portable, il informe les commerçants du lieu où il se trouve. La pinasse ne peut pas accoster faute de passerelle. Les passagers doivent rejoindre la berge en pirogue. Quant aux caisses, boîtes et autres sacs, il faut les transporter un à un jusqu'à la terre ferme. Les débarcadères ont été soit détruits, soit submergés par les fortes variations des eaux du Niger. Bien des cargaisons, arrivées à destination sans dommages, finissent par prendre l'eau dans les tout derniers mètres de leur périple. S'ils construisent la route jusqu'à Tombouctou, notre travail va diminuer. Parce que certains prendront la route. Mais les gens qui ont l'habitude de prendre la pinasse continueront à voyager avec nous. De toute façon, les bozos prendront la pinasse, pas la voiture. La route n'est pas encore construite, mais on s'y prépare déjà. La motorisation ne s'arrête pas aux portes de ces villages isolés. Cette courte halte dans son village permet à Ina Natanga de gagner un peu d'argent en proposant sa spécialité aux passagers. Le sara est un plat à base de morceaux de bœuf ou de mouton cuit dans une sauce épicée qu'elle accompagne d'igname, un légume proche de la pomme de terre. Ina fait cuire sa marmite sur la berge, où elle a son coin pour faire du feu. Je suis une commerçante du bord du fleuve. Je vends ce que je cuisine. C'est comme ça que je gagne ma vie, que je suis devenue indépendante. Avec l'épinasse, je peux gagner beaucoup d'argent. Mon rêve serait de tenir un restaurant dans un hôtel sur la rive du fleuve. Mais ici, on ne peut pas faire d'hôtel, car l'eau va et vient et inonde tout. Les gens qui viennent en pinasse sont toujours très pressés. Ils ne descendent pas du bateau pour déjeuner. Ils n'ont pas le temps. La pinasse repart tout de suite. L'Herbouctou charge du bois de chauffage, puis amorce le départ. Le tuyau d'alimentation en carburant est bouché. Les mécaniciens n'ont pas le temps de se lancer dans de grosses réparations. Ils en coupent une partie, tout simplement. Mais les ennuis ne sont pas finis pour autant. Le moteur ne veut pas repartir. Problème de carburateur ou de bougie? Là encore, il va falloir improviser. Bassekou secoue ses troupes. Une bonne partie de la marchandise est périssable, et s'il arrive trop tard à Tombouctou, la cargaison de plaques de sel sur laquelle il compte lui passera sous le nez. Le moteur marche à nouveau. L'Herbouctou repart à plein régime jusqu'au prochain arrêt. Lorsque les fortes pluies d'été transforment le Niger en vaste fleuve, de nombreux villages se retrouvent inondés.
Leurs occupants quittent alors leur maison de terre glaise avec leurs bêtes et se déplacent au gré des pâturages qui apparaissent le long de l'eau, lorsque le sol sableux de la zone sahélienne fait place à une terre fertile. Mais quelques mois plus tard, le paysage retrouve sa sécheresse et son aridité naturelle. Ousmane Traoré est pêcheur. Il est là depuis les premières heures du jour. Il tente d'attraper quelques derniers poissons avant l'arrivée de la pinasse. Ses deux fils luttent contre le courant tandis qu'il pose ses filets. Ici, on trouve des perches arc-en-ciel ou des carpes du Niger. Généralement, les pêcheurs fument leur poisson pour le conserver. Mais dans ce cas, son prix est dérisoire. Le poisson frais rapporte nettement plus. C'est pour cette raison que les pêcheurs de l'île de Bamagungu se sont associés et commandent chaque semaine un congélateur plein de glace à basse écoute. Quand on fait une bonne pêche, on met le poisson dans le frigo et on paie le pinassier pour qu'il ramène le frigo au port. Ce qui intéresse le pinassier, c'est le transport du frigo. Si nous vendons sur place, on négocie le prix avec le client. Et s'il y a beaucoup de poissons, on remplit le frigo de glace, on y met les poissons qu'on a pêchés et on part avec la pinasse pour les vendre à Mopti. De retour sur leur île, Ousmane et ses fils placent les poissons dans le congélateur installé sur la grève. Ce matin, la pêche est trop modeste. Ousmane n'a pas de raison de se rendre lui-même au marché. L'Herbouctou est à l'approche. Ousmane et les autres pêcheurs de l'île de Bamagungu attendent impatiemment la pinasse et ses blocs de glace. L'équipage s'occupe de l'échange des congélateurs. Bamagungu signifie littéralement « le ventre de l'hippopotame ». Mais cela fait bien longtemps que ses habitants n'en ont pas vu l'ombre d'un dans le Niger. Pourtant, on raconte qu'ils étaient nombreux ici, autrefois. Chaque pêcheur a droit à un sac de glace qui lui permettra de tenir son poisson au frais chez lui. Bassekou est pressé de repartir. Il veut rattraper le retard dû au vent et aux problèmes de moteur. Le congélateur est enfin chargé. La pinasse peut lever l'ancre. Tombouctou n'est plus très loin. Les Maliens croient au génie. Le Niger charrie avec lui une multitude d'histoires et de légendes. On raconte notamment que les bozos sont en contact direct avec les génies de l'eau. Je peux dire exactement ce qu'il y a dans l'eau. C'est comme ça. S'il y a quelque chose dans l'eau, je le sais, c'est tout. C'est un contrat entre les bozos et les génies de l'eau. En tant que fils de bozo, je peux utiliser ces secrets. Si je dis à un crocodile de se montrer, il va se montrer. Bon, je ne vais pas le faire, je ne veux pas passer pour un fanfaron. Ce n'est pas de la sorcellerie. Les esprits de l'eau, je peux les appeler là, tout de suite. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Jusqu'ici, Bassekou n'a jamais eu besoin d'invoquer les génies de l'eau lors de ses nombreux voyages. Le barreur actionne le système de communication interne.
Ces deux coups de cloche signifient qu'il faut accélérer le rythme. Le mécanicien n'a qu'un geste à faire. Les femmes se préparent pour la descente à terre. Aïcha coiffe une passagère. Une façon de compléter ses revenus de cuisinière, mais aussi de faire de la publicité pour le salon de coiffure qu'elle prévoit d'ouvrir plus tard. La fabrication des petites tresses demande du temps et de la patience. Mais Aïcha doit faire vite. La coiffure doit être prête à l'arrivée à Tombouctou. Sa cliente veut faire une surprise à son mari. Les femmes profitent volontiers de ces soins à bord. À terre, elles n'ont pas de temps pour cela. Les obligations du quotidien reprennent aussitôt le dessus. Au bout de 3 jours et 2 nuits de voyage, l'Airbouctou atteint Koryoumé, le port de Tombouctou. Avec près de 4 heures de retard, ce qui est relativement ponctuel compte tenu des obstacles. Transporteurs, intermédiaires et commerçants l'attendent sur le quai. La pinasse ne restera pas longtemps au port. Les passagers se réjouissent de fouler à nouveau la terre ferme. Bassekou doit maintenant expliquer son retard aux commerçants. La plupart le prennent avec des contractions. Ils le connaissent depuis des années et savent que leur marchandise est entre de bonnes mains. Mais tout retard est mauvais pour son image. Certains menacent de passer à la concurrence. Trois pinasses font le voyage Mopti-Tombouctou chaque semaine. Les porteurs ont de quoi faire. C'est leur principale source de revenus. La plupart des produits de première nécessité arrivent par le fleuve. Et quand le niveau de l'eau est très bas, à la saison sèche, la perle du désert, comme on appelle la ville, manque surtout de fruits frais. Aïcha a apporté des pastèques de Mopti. Elle tente de les revendre près de 5 fois leur prix d'achat aux marchandes du port. Les pourparlers peuvent durer longtemps et se déroulent toujours selon les mêmes règles du jeu. Les deux parties énoncent leurs arguments. Aïcha invoque le prix de l'essence et les conditions dans lesquelles elle les a apportées jusqu'ici. La marchande de Tombouctou chipote sur la qualité. Mais les deux femmes finissent par s'entendre. Chaque marchand a sa clientèle d'habitués. Le risque de ne pas écouler la marchandise est assez faible. Tombouctou ne se trouve pas tout à fait au bord du Niger, mais en cas de crue, certaines parties de la ville sont inondées. Une légende dit qu'autrefois, les rues étaient pavées d'or. Aujourd'hui, les marques de la splendeur de l'ancienne ville universitaire et commerciale se font bien rares. Bassekou fait un tour au bazar. Il est venu se faire payer la livraison des marchandises. C'est l'occasion de décrocher de nouveaux contrats pour le retour à Mopti. Malheureusement, aujourd'hui, les affaires tournent plutôt au ralenti.
Le port est un point de rencontre pour bien des gens. Beaucoup y viennent aussi pour se laver, car peu d'habitations ont l'eau courante. Les plaques de sel saharien en provenance du nord du pays arrivent en temps voulu. L'équipage les place très serrées les unes contre les autres pour les empêcher de tomber et de se briser. Avant chaque nouveau voyage, la pinasse a droit à une grande toilette. Avec le même détergent, on nettoie tout, de la vaisselle jusqu'au moteur. Tout est prêt pour le départ. Cette fois, la pinasse est à moitié vide. Bassekou est le dernier à monter à bord. Son métier lui laisse bien peu de répit. Il s'investit corps et âme pour maintenir son affaire à flot. La pinasse, c'est ma vie. C'est mon travail. Sans la pinasse, rien ne va. On prend du bois, on construit une pinasse et la vie commence. Dans une semaine, Bassekou et son équipage reviendront. Si le Niger, le vent et les génies de l'eau le veulent bien.